Le peloton de la VFN Cup regorge de gens qui ont tous leur histoire, mais certains ont des métiers qui font rêver. Je m'appelle Alain Rion, je suis pilote de ligne et ancien pilote de chasse en Belgique. Dans l'équipe, on est deux avec le même pédigré, à savoir pilote de chasse, pilote de ligne et maintenant, accessoirement, pour le fun, pilote de Fun Cup. Concrètement, pilote de chasse, vous avez piloté quoi ? Alors j'ai piloté des Mirage 5 jusqu'en 87 et puis après F16 pendant 6 ans. Alain Rion est l'un des pilotes de la VF Fun Cup numéro 173, celle de l'équipe Motivate. Il a découvert le sport automobile via la VF Fun Cup au début de cette année. Moi je trouve que ça demande beaucoup de rigueur de piloter sur un circuit. Les freinages tout le temps les mêmes et ça ressemble un peu quand même au travail à l'intérieur d'un cockpit d'avion. Beaucoup de rigueur, de concentration. Et en ça, c'est la même chose. Par contre, les sensations n'ont rien à voir. Pilote d'avion et spécialement pilote de chasse, c'est forcément un métier qui apporte son lot de sensations. Mais est-ce que cela peut servir pour piloter une voiture de course ? Par rapport à un avion, ça n'a rien à voir. On va même beaucoup moins vite, mais on est tellement près du sol, des autres voitures, des rails, que c'est quelque chose qui est très amusant, mais en même temps fort différent de pilote de chasse, qui était quand même un métier. Ici, c'est un loisir, et un métier, c'est quand même aussi un peu différent. On l'appréhende un peu différemment. La VF Fun Cup, c'est une belle manière de se vider la tête, mais avec des ambitions limitées. Pas casser la voiture, pas casser le pilote, et puis prendre du plaisir. Et accessoirement, si on peut de temps en temps accrocher un bon résultat, ben voilà. Et s'amuser avec mes potes. C'est tout. Voilà. On va pas se prendre au sérieux non plus, hein. Pas à 52 ans.